pense qu'on l'a. Oh oui, les plumes là. Ouais. Petite perdrix. Fallait bien qu'on revienne au camp. Il y en a toujours ici en arrière autour des camps là. Fait que je vais toujours faire un petit tour à pied. Ça prend peut-être une vingtaine de minutes pour passer tranquillement, pas vite. Puis là, quand je suis arrivé, en sortant du bois, j'ai comme entendu quelque chose piétiner. Puis là, comme des raisons là. Juste là, ben, il y a une belle petite poule. Mais ben, je pense que c'en est une de cette année. C'est une juvénile de cette année. Elle est pas très grosse, mais on va faire avec la première de la saison en plus. Belle petite poule. Pas rien avec un vieux vin qui appartenait à mon grand-père. Un vieux H&R Arms. Un Topper 48. Je sais pas trop de quelle année que c'est, mais ça a été fait entre les années 40 et les années 50. Donc, c'est vraiment un vieux fusil, mais écoute, j'adore chasser avec cette arme-là. C'est un beau calibre 20. C'est super vieux. Il était longtemps serré dans le fond, dans le fond d'une tablette parce qu'il fonctionnait plus. Avec le temps, ça finit que je l'ai fait arranger. Puis depuis ce temps-là, je chasse juste avec ce beau vin-là. J'adore chasser le petit gibier avec celle-là. C'est mon arme de prédilection maintenant. Bon, à cette heure, on a fait le spot autour du camp, à pied. On va aller faire les petites trails en quatre roues. En plus, qu'il fait chaud, on va en profiter. On va se reposer un peu. C'est ainsi que se termine notre petit épisode de chasse à la perdrix. Au moins, on en a attrapé une. C'est la seule qu'on a vue pour l'attraper. Au moins, c'était une bonne moyenne. Puis, on a fait un bon tour de quatre roues. Puis, on n'a rien vu pantoute, même pas rien fait décoller. Donc, c'est assez tranquille. Mais au moins, on n'a pas fait une bredouille. Donc, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne YouTube de Destination Nature et aussi à la page Facebook de Destination Nature. Donc sur ce, on se revoit pour une prochaine Destination Nature.